Bonjour tout le monde, good day everyone. Today a little bit of trompe-l'œil, un petit peu de trompe-l'œil. Regardez, des pattes en bas, feet at the bottom, and at the top an arch, en haut une arche, des pieds en bas. Étrange, n'est-ce pas? Isn't it strange? Like there's an arch at the top, then feet at the bottom. I want to teach you how to do something like this. Trompe-l'œil is a visual illusion in drawing, and then we're going to build one of these real easily. Donc le trompe-l'œil, c'est une illusion visuelle. Et je vais vous montrer comment on peut faire ce dessin. Je pense que c'est un dessin moins sur l'apprentissage du dessin que vraiment pour le fun. Je suis en vacances, alors j'en profite pour faire ce qui me tente aujourd'hui. Donc je mets de côté les demandes et je fais un dessin trompe-l'œil. Today, I'm on vacation and therefore I feel like drawing something for myself and for you, so I'm putting the request aside. So here's a rectangle with a volume and we'll put a little hole in the middle. Voici un rectangle en volume et puis je vais mettre aussi une petite arche au milieu. Donc on peut imaginer la défense par exemple, alors c'est le même genre de dessin de l'immeuble de la défense. So you can imagine this arch as being either the Arche de Triomphe or something like that. So here's that rectangle shape. And now what we're going to do is we're going to retrace the outline. Nous allons tracer maintenant la ligne de contour de ces éléments. Et en passant, je fais maintenant les vidéos en français et en anglais pour sauver du temps et pour faire en sorte que j'ai moins de téléchargements à faire par semaine. Les mettre sur YouTube, c'est terriblement long, les vidéos en HD, alors je les fais en deux langues, en français et en anglais. Concentrez-vous sur la version française. Je ne dis rien de plus en anglais, alors c'est la façon maintenant de comprendre mes vidéos en français et en anglais, parce que j'ai beaucoup de vidéos de gens qui me regardent dans les deux langues. So I'm making these videos in French and in English now, because it saves a lot of time, and it allows me to make a lot more videos. And uploading these videos, these HD videos, takes a lot of time as well, sending them to YouTube. So let's erase these lines here. Nous allons effacer les lignes maintenant de contour, puis on va maintenant retracer. So we're going to retrace. All you need to do is really concentrate on the English language part, because I'm not saying anything more in French, I'm simply translating. Donc nous allons maintenant colorier à l'intérieur de l'arche aussi. On peut maintenant voir une arche en 3D en train de se bâtir. So we'll color the inside, the same color as the left side here. And you can now see an arch being built, essentially. And this is rather simple to do. Alors, cette illustration est quand même assez simple à faire. Voici où ça se corse. On efface ces lignes. We're going to erase all the foundation lines. See, so this is first leg. Voici la première patte. Voici la deuxième patte, la troisième patte. So here are legs 1, 2, and 3. And so all these things here will become the legs of my elephant, if you wish. So we're going to add feet here at the bottom. And all we need to do is add these little feet parts. Nous allons ajouter des pieds ici dans le bas de chacune des colonnes, avec des petits orteils. We'll add feet with little toes. So here's a foot seen from behind, if you like. We'll add a few details here. Nous allons ajouter quelques détails au niveau de cette illustration. Donc, le talon, les orteils, on les voit à peine. Je vais vous montrer une photo complète à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je dessine. So I'm going to add a full drawing picture at the end of this video, so you can better understand what I've drawn here. And now we're going to color in the feet. So, as to offset the top part of this drawing. Donc, nous allons colorier, voyez-vous, le 2, là, je vais l'enlever. We're going to get rid of the 2 there. The numbers, we don't really need the numbers, we'll get rid of those. Nous allons effacer les chiffres parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Et nous allons colorier les pattes au complet pour faire en sorte qu'il y ait un contraste entre les pieds, la partie inférieure du dessin, et la partie supérieure du dessin. Dans le cas de cette colonne-ci, au moins, c'est la même couleur. Donc, ça, c'est pas grave. C'est pas un problème. Mais où c'est grave, c'est le pied du centre, parce que lui, il est deux couleurs différentes. So, the middle foot has to be colored halfway, or a little less than halfway, and so is this last foot here on this side. So, because the top part has to remain white, for the illusion to work. Pour que l'illusion fonctionne, il faut que le dessus, la partie du haut ici, bon, qu'on efface, demeure blanche. Alors, la partie du bas est foncée, la partie du haut est blanche, et donc, il faut avoir un dégradé entre le pied et le rectangle du centre. All right, so you need a gradient from the bottom of the foot to the top of the foot. All right, let's add some skin details here to this foot. Nous allons ajouter des détails de peau au niveau du pied ici. Voilà, comme ça, on froisse la peau. So we're folding the skin, we're giving it some folds here. I'll add a little bit of an ankle. Nous ajoutons un petit peu de détails
Donc une cheville, ici nous allons colorier un petit peu plus haut, en dégradé. Maintenant nous allons ajouter du gazon. So now we're going to add some grass here at the bottom of the feet. We need to draw the grass across here. This foot as well. Ce pied ici, nous allons ajouter du gazon au niveau de ce pied. D'autres pieds aussi. Et ensuite aussi derrière. Donc. Ça, c'est le gazon de l'arche maintenant, OK? Donc, voyez-vous comment, avec l'illusion, je dessine le gazon à travers de l'arche, où ça devrait être si c'était un dessin, une photo. So here's where the grass would be for the arch. And what we're going to do is we're going to add a few details within the arch. We're going to add some bricks here. Alors, nous allons ajouter des détails dans l'arche aussi. Donc, nous allons ajouter des briques. Une briquelure au niveau de l'arche. Bon, on va faire ça ici au milieu. Alright, so I'm going to speed that up a little bit. Nous allons accélérer le tout. On veut donner du détail ici. We want to just add a few details here to give more solidity to that stone arch. Nous voulons rendre plus solide cette arche. Et nous allons ajouter des nuages dans le ciel. So we're going to add some clouds in the sky as well. And this is really to delimit the background and the foreground. Nous voulons délimiter l'arrière-plan et l'avant-plan, donc l'arche et le ciel et le gazon, pour vraiment démontrer qu'il y a deux dessins en un dans ce cas-ci. Et ça, c'est vraiment intéressant à démontrer à nos amis. Ils en raffolent. Alors voici l'arche. It's really cool to show this to our friends. They go crazy about it. So here's the arch. And then here's the feet. Okay, you get it? Okay, so now the one gradient is too low. We're going to erase this. Donc voici, ce dégradé ici est un petit peu trop bas. On peut le voir lorsqu'on bouge la feuille. Alors on va effacer ce dégradé ici un petit peu. On veut vraiment avoir un élément qui détache. Et puis nous allons ajouter du gazon. We want two really separate drawings. So we're going to add grass here to the behind the feet. And this is a really cool drawing to show your friends and family and try to make them understand what exactly you drew. They can't understand that. It looks like magic off the first time you showed them. Lorsque vous montrez ça, ceci à vos amis et vos membres de famille, ils doivent croire que c'est de la magie. Alors voilà, les trois jambes et l'arche en haut. Here are the three legs and the arch at the top. This is what we call trompe-l'œil. I hope you like today's drawing. We'll see you next time on another episode. Voici ce qu'on appelle trompe-l'œil. J'espère que vous avez aimé cet épisode. On vous verra sur un autre épisode de Dessin avec Paolo. Et voici le dessin complet. Here's the completed drawing. Have a great day, everybody. Bonne journée, tout le monde.